C'est lui-même qui tape chef délégation haïtienne. Mais kounya là, nous confuse qui est-ce qui pral dans Nations Unies pour présenter discours pays d'Haïti. À la fin, est-ce que c'est Leslie Voltaire? Comme lui-même il te prend ou libi la école dit aux États-Unis? Est-ce que c'est Gary Conny? Nous pas connaît frères. Nous pas connaît qui est-ce qui va le prononcer discours pour nous. Sauf que zé en mélanger bagarre la compliqué. Jean président qui t'a préparé là, pas de sécurité pour lui, il pas qu'à juste lever pour prendre avion, hein? Il pas qu'à juste dit où toi la game derrière non. Et puis là il descend sur territoire américain, comme ça pas fait sens. Qui est-ce qui va le recevoir? Côte qui est souvenir? Sauvin fait là. Oh damn. Premier ministre pas qu'à fin déplacer nous pas arranger nous. Chaque monde sait si clan si groupe y a fait. Nan bagay sa président prend poteau journalisme. Oui! Président prend poteau journaliste prend poteau mes amis. Et bagay qui dit pour fin préparer faire cheveux, faire bab. Un clean dent bien baigné et puis ou pas joindre visa ou pas qu'à voyager ah hein fait belle petit coup pour bien chita. Ouais Gary Conny quand on boit calé sous CPT ah oui c'est un mélange frères et sœurs c'est pas petit cause qui piti. Après action ça ou pensez conseil présidentiel pral rete campé comme ça a garder Gary Conny? Non. Parce que tout le monde besoin paraître belle, tout le monde besoin faire ouais que m'a travail, c'est moi-même qui a diriger, c'est moi qui chef dans petit bout de savane. Et pourtant pas grand rien pays qui a géré pour tout bon. Bon, quitte me faut entendre voix ça. Des discours improvisés président devant président Ruto, frère bien-aimé, c'est un mélange, oui. Les causes sont beaucoup. Quand est voice là, l'éternel des armées? On va entendre voice là. C'est important pour t'entendre. En attendant, nous chercher voice là, frère ça. Et n'a pas avancé ou n'a pas autant de déclarations président Ruto qui rivait dans le pays d'Haïti, rivait peuple haïtien. Il fait qu'on est, c'est grâce ensemble avec Force Kenya qui la cause et aéroport a fonctionné, gain sécurité dans le palais national, dans le port, dans l'hôpital, etc. À nous suivre. Nous avons fait pour que nous avons préparé la mission. Mais ça depuis un peu de temps pour que nous avons préparation mission comme ça doit, c'est-à-dire selon le règlement des Nations Unies. Nous avons besoin de préparer toute quantité logistique que nous avons besoin. Mais moi, je suis très content pour moi que, effectivement, mission vient mettre sous pied avec leadership, force police nationale, non, avec leadership et force kenyane qui est en Haïti. Et moi, réaliser que dans le pile progrès qui fait depuis lors. You're all aware that this deployment initially received a lot of skepticism. Pessimism and criticism, many people wondering whether it was possible to undertake this mission, especially because of the history of missions like this before and because Kenya was a country that was so distant from here. Donc, moi, capable de dire non, que là que nous venons accepter que nous avons pris leadership mission ça, et puis il y a un pile de monde qui était douté, et puis il y a un pile d'esprit négatif, un pile d'esprit pessimiste qui t'a demandé pourquoi que mission ça prend réussir. Parce que là, il y a une songe, histoire dans le passé que tu as gagné avec force. Nations Unies qui était en Haïti. Parce qu'il faudra que nous disions tout que mission, ça, c'est pas en force des Nations Unies. C'est en force de plusieurs pays. Donc, c'est pas en force onusienne.
qui en Haïti. Donc, il y a des vignes remarquées que cette histoire qui était passée dans le passé, que ça a pas une mission, ça très difficile, d'autant plus que Kenya, son pays qui est loin, qui n'est pas tout près de nous. Today, with only 400 men deployed out of 2,500, the skeptics and pessimists and critics have been answered emphatically, because today this airport, which initially had gun power all over the place, today experiences a good measure of safety. We have the National Palace that has been secured, the National Hospital that has been secured, the National Police Academy that has been secured, and in fact, there are recruits being trained now at the National Police Academy, the Fort Police Academy. The Fort also is under surveillance, and there are men now working on the airport and many of the routes. And the brief I have received here is a very positive and commendable brief, demonstrating that what many considered mission impossible, it's now clear that this is a mission that is going to be carried through. Okay. Ça que je peux dire, c'est que je reconnais que l'esprit de tout ça, esprit de critique, esprit de pessimisme que tu as gagné, il continue à exister parce que nous avons une force de 2500 personnes et nous avons une force seulement de 400 personnes. Et donc, c'est très, son bail qui est très important. Mais comment il faut songer tout? Que l'aéroport, tout à l'heure, l'aéroport, il y a des tirs qui sont faits. Et il y a des mêmes tirés sur l'avion. Mais je dis à moi, capable de dire que moi, manquer et nous connaître, qu'il y a beaucoup plus de sécurité pour alentour l'aéroport. Nous, il y a beaucoup plus de sécurité dans le palais national. C'est pas Jim Kenya, nous t'es fait, madame. C'est pas Kenya qui te fait une sécurité dans l'aéroport. Je ne peux pas comprendre. Attends, t'as pour tout journaliste, ça ou là, tout haïtien, ça ou là, il va garder où tu as fait de cause à te comme ça. C'est là, mais d'Haïti, où tu as sécurisé l'aéroport. C'est Kenya qui te fait balle pour tirer bon l'aéroport. C'est à cause Kenya qui fait palais national sécurité. T'es quoi, c'était la police à clamer que tu as campé bataille? Gideon, WhatsApp audio. C'est la police qui t'a campé bataille. C'est la médaille qui t'a campé bataille. On sait à cause Kenya qui fait que l'airport, l'hôpital, patati patata, qu'est-ce sécurité. C'est fout bon. C'est fout bon pour Haïtien. C'est bon. Et bon. Et bon pour lui. Dans l'hôpital général, sécurité dans l'académie de police. Quelle sécurité qu'il y a l'académie de police à recruter beaucoup plus de policiers qui ont la formation, et puis les ports commencent à surveillance là-dedans, on a travaillé là, on a ouvert une route qui est capable de nous payer un peu plus. Donc, on est capable de dire que l'esprit de scepticisme, de doute, de critique, commence à diminuer et qu'on rend compte qu'effectivement, mission ça possible, que mission ça continue la voie de l'avant pour le réussir. Welcome, Mr. President. Yesterday, the United Nations as human rights official for Haiti painted a very bleak picture of the situation in Haiti. The hospital may be recaptured, but it's been open. Gangs have spread to other cities. Your officers are doing the best that they can, but there's only a quarter of those promised are here. They have inadequate equipment and resources. Why would you say that, as you did on the 100th day, 3 months into this operation, why is this the case? Okay. Yeah, pourtant les Nations Unies, on leur pose. Les Nations Unies disent que, et on fait dire que là, va améliorer, etc. Ils ont même dit oui, qu'ils ont récupéré force nationale là, avec MMS et tout. Ils ont récupéré deux, trois espaces, mais ils ont retombé encore. Non, mais mon Dieu, tant que vous dites que l'hôpital sécurité. Ouais, mais gardons pays, gardons État.
sécuriser tout le monde, sécuriser, mais après deux, trois opérations que nous avons menées, qui résultat nous joignent? While that is true, that there are serious constraints of enough security officers. As I said earlier, we have 400 out of the 2,500 promised. There has been logistical issues. There has been shortage of resources. There has not been adequate supply of equipment, tools, and vehicles. But the good news is that because of the tremendous work that has been done, more countries are now committing to bring their men on board. 20 additional countries have now committed resources for deployment in Haiti, and Kenya, in the next 3 weeks, is going to bring on board another 300 security officers. That is in the month of October, and another 300 officers in the month of November. And we expect more countries to follow suit, so that as we recover territory from criminals and gangs, we have enough men and women to secure those territories. And the reason why I came via Port-au-Prince is so that I can have clarity on how to mobilize support for the mission in Haiti at the UN. Thank you. Thank you, Father. Thank you, Father Udo. Thank you, Doc. September, October, November, ma traité tana, gen l'autre équipe kap gen pour rentrer. Et ça veut dire là, frères et sœurs bien-aimés, pas qu'elle a tellement compliqué. Président ba une déclaration, premier ministre ba l'autre mentor, président Kenya a venu ba une parole kembe. Secrétaire d'État américain dit on l'autre causé. Chaque monde baillon parole. Quittez l'argent blanchi. Quittez qu'on pas marcher comme ça. Nous pas venir déranger jazz là. Si vous président Kenya, gen amélioration, c'est grâce ensemble avec force là qui permet aéroport sécurisé, palais national, port, académie police, l'hôpital. OK. Combien territoire récupéré? C'est ça, peuple haïtien lui-même, les besoins. C'est ça qui est important pour peuple haïtien. Combien de territoires qui récupérer, pas la même. Au lieu de territoire récupéré, je ne j'en dis, c'est tout pays qui entre dans territoire perdu. Gouvernement débarqué, nous tapons des pour force multinationale, mais la kounia.